Alors, salut Caroline, Caroline Trépanier. Oui. Alors, artiste en transformation. Oui. Bon, alors moi, j'ai passé la journée derrière la caméra et là, Christian va me passer, en fait, le micro pour l'entrevue parce que on a la toile ici qui a servi de le résultat final. Explique-nous un peu ta démarche parce que c'est pas en fait, à hasard là, tout ça, que tu sois au webcom. Là. Non, pas du tout. Ici du monde des affaires, 15 ans en entreprise, en grande entreprise, en technologie. J'ai vu un besoin pour les gens d'affaires de créer et de comprendre la zone innovation. Oui. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai fait créer les gens qui ont participé à webcom pour marquer les 10 ans de webcom. Parce que nous sommes tous artistes sur la toile. Et la toile va c'est être tirée. Oui, c'est ça, exactement. Et je pense que les gens ont tout intérêt à reconnecter avec leur artiste intérieur pour innover. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Parce que cette toile-là, c'est un travail... Un travail collectif, en fait, ce sont les participants qui venaient à tour de rôle mettre leurs touches et créer une œuvre collective pour créer une mémoire de l'effervescence qu'on a connue aujourd'hui à webcom. Et en fait, retourner à la créativité pure. Parce qu'on, bon, il y a toute la technologie, mais en deçà de la technologie, il y a l'artiste. Et ce sont tous des artistes sur la toile. On a des gens, des penseurs, des philosophes, des grands mouvements technologiques qui s'instaurent. Mais il y a l'artiste dans chacune de ces personnes-là. C'est ce que je suis allée capturer. C'est, dans la création. Ce qui est très amusant, c'est qu'aujourd'hui, au Webcom Live, je ne sais pas si vous avez entendu, notre thème, c'était la transparence. Et là, on a le thème la transparence et on a cette toile pleine de couleurs qui venait agrémenter le... C'est l'authenticité, c'est l'enfant intérieur. Hein? Vous savez, on est tous artistes, on est nés artistes. Picasso dit, on est nés artistes. Le truc, c'est qu'on l'oublie en vieillissant. Parce que c'est une forme de transparence, de s'exprimer, d'être artiste. De façon pure, hein? Parce qu'il n'y a pas de rationalisation là-dedans. On n'est pas dans le cartésien, on est dans la créativité spontanée, pure. Et c'est les enfants intérieurs de chacun qu'on est allé chercher, ceux qui n'ont pas de barrière. Puis toi, tu fais pas juste ça aujourd'hui au Webcom Live, là, puis tu t'offres des ateliers, c'est vraiment... Tout à fait, en entreprise. C'est vraiment une vocation, là. Oui, en fait, j'ai marié ma passion pour l'art et le monde des affaires. Dans cet atelier conférence où je parle d'innovation, de transformation. Mais je ne fais pas seulement parler d'innovation, de transformation, je leur fais vivre le message plutôt que de leur donner un livre sur comment être créatif et innovateur. Je leur fais vivre la zone d'innovation, je leur fais créer des œuvres. Ça se passe comment? Ça se passe très bien avec les comptables, avec les ingénieurs, les actuaires. Les comptables, les actuaires, les ingénieurs. Oui! On n'imagine pas, là! Oui, mais enfin, ils ont tous été enfants, donc ils se souviennent tous à peu près ou pas, avoir eu 4 ans, avoir tenu un pinceau puis s'exprimer librement puis d'être surpris par le résultat. Mm-hmm. Parce que dans le fond, c'est ça, l'innovation, c'est de se laisser aller, c'est d'arrêter de rationaliser, de tout tenter d'expliquer. Et puis de tenter de voir à travers le chaos qu'est-ce qui émerge, puis de faire quelque chose de beau, puis d'équilibré, qui ont envie d'accrocher dans leur bureau. Donc, c'est une conférence où le message vit pendant des années dans les entreprises parce que l'œuvre reste. Et tous les participants reçoivent l'affiche de leur œuvre. Cette œuvre-là va être tirée Oui, je vous l'enlève dans quelques secondes. On s'en va la faire tirer pour ceux qui ont contribué à l'œuvre. Donc, il y a environ 150 personnes qui ont mis leur touche aujourd'hui. C'est assez surprenant, impressionnant du résultat. C'est très coloré, en tout cas. Oui, c'est joyeux. C'est très joyeux. C'est très joyeux. C'est ça, c'est que l'art redonne aux gens la joie de vivre et le pouvoir de créer à partir de la joie de vivre et leur enfant intérieur. Donc, voilà. Okay. C'est la zone innovation à travers la création. La zone innovation à travers la création. Ben, merci vraiment beaucoup. Merci de nous avoir prêté ta créativité toute la journée ça pour notre événement. Ça fait plaisir de rencontrer tous ces gens qui œuvrent en technologie. Mon ancien monde. Que je ne suis pas prête à laisser aller et que je vais faire peindre pour le reste de mes jours. Ben voilà. Bravo pour ton initiative. Merci. À la prochaine. Oui, salut. Merci.